mes messages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour la suite de Idols. Genre, comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous retrouver et tout. En plus, j'ai remarqué qu'en ce moment, le let's play d'Idols faisait beaucoup plus de vues. Je ne sais pas la raison, je vous avoue, mais ça me fait plaisir parce que ben j'ai quelques petits retours et ça me touche énormément. Donc si vous passez par là, ceux qui commentent mon let's play, cœur sur vous. Vous voyez pas, mais je fais un cœur. Bref. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire sur ce sujet. Je souris encore au public à la caméra. Adon, ouais, je sais toujours pas dire son prénom. Si vous savez, celle qui commente, ou ceux, d'ailleurs, je ne sais pas votre genre. Je ne comprends pas que tout le monde ne tombe pas amoureux de lui instantanément. Mais dans le public, les filles applaudissent, crient et pleurent même pour certaines. Ah, yes. Je pense qu'en fait, ils lui brisent juste le cœur d'être à la fois si merveilleux et si lointain, hors de leur atteinte. Mon cœur rate presque un battement aussi quand il se penche pour regarder vers les coulisses et me sourire également. Je vais t'enlever ta ceinture et je vais te mettre des coups avec dans ta tête. Parce que vraiment, ça casse les... Je vais pas continuer ma phrase parce qu'après, je vais encore devoir limiter ma monétisation. Merci, Gia. C'est pas la première fois que vous regardez là-bas. Y a-t-il quelque chose qui attire particulièrement votre attention? Oui, y a Saïwa et Claire, la cousine et la sœur de Colin. À côté de moi, Claire lâche un jour entre ses dents. Elle est énorme. Mais tais-toi. Ne sont-ce pas telles qui vous accompagnent? Je pense que j'ai fait une liaison, je ne sais pas. Qui vous accompagnent partout ces derniers temps? Ça te pose un problème? Jusqu'à présent, votre résidence privée ou cérémonie de remise des prix hautement prestigieuse? On est de la famille pour les remises des prix. Et déjà, comment tu sais pour la résidence? Ah, il espionne. Il y en a des espions. L'insignation de Dongun Yom est limpide, mais Taewoong ne se tressaille. Il ne se tressaille pas. pas du tout déstabilisé. Oui, c'est bien ça. J'ai un sens de la famille très développé, tout comme toutes les comètes le savent. J'adore mon frère et ma sœur, surtout ma petite sœur. Alors, comme on est une grande famille dans le groupe, j'adore aussi Claire et Saïwa. Parce qu'elles font partie de la famille de Colin et donc de la mienne. Ouais, bon, là par contre, stop. Me sisterzone pas, hein. D'ailleurs, elles ont même rencontré ma petite sœur au dernier concert qu'on a fait à Séoul. Une fois encore, le sourire tranquille et transparent de Taewoong agit comme un point final. Bah du coup, vu que ça durera moins longtemps, je me fais plus plaisir, je fais plus de commentaires, j'espère que ça vous dérange pas. Et je vous ferai une petite parenthèse à la fin si j'oublie pas. Que dire après cela, en effet? Je suis absolument certaine que personne ne doute qu'il a dit la vérité, que personne ne questionnera sa sandeur. Je ne connais pas. C'est fou qu'il monte comme ça. Ça fait un peu peur qu'il monte comme ça. C'est fou quand même, parce qu'ils sont en train de tout gober. Et il arrive à garder un visage normal en fait, c'est ça qui est... Il parvient à raconter n'importe quoi de façon si naturelle sans que l'on voit la différence avec son expression spontanée habituelle. Parce qu'en fait elle a dit peur et comme vous savez je veux qu'elle soit le plus à l'aise parce que sinon elle va paniquer et ça va pas être le meilleur des cas. On lui donnerait... Le bon Dieu sans confession, mais les anges ne sont pas censés mentir avec tant de décontraction. Je me demande si ce sont les cours que les idoles reçoivent pour jouer la comédie qui lui permettent cette compétence. En tout cas, ça va bien un point dans la situation qui nous occupe, et je respire à nouveau plus librement. Il m'énerve, hein. J'en ai marre. Moi, je veux voir autre chose. Il s'appelle comment le montagne russe? Dis-moi que c'est pas juste une montagne d'émotions et qu'on va vraiment aller faire des manèges parce que là... j'en ai marre. Qu'aimez-vous le plus physiquement? Entre les filles sud-coréennes et les filles occidentales? Attends, il parle à tout le monde ou il parle que à Aniel là encore une fois? Oui, moi je l'appelle Aniel, je suis habituée. Et parfois je prononce Yo. Vous avez sûrement la ref si vous écoutez de la K-pop, mais me faites pas la remarque, s'il vous plaît. Je sais que parfois je me trompe. Visiblement, le présentateur a changé d'angle d'approche, mais pas encore lâché le morceau, hélas. Oh, j'aime tout le monde, moi. Tant que la fille est jolie. Ah ouais, donc toi, c'est la beauté.
Ah, tu es de préférence plus jeune que moi, mais j'aime aussi les plus âgés ou du même âge. Bah, oui. Bref, toutes celles sont mignonnes. Ouais. Ce n'est pas très précis. Mais on s'en fout en fait. Tais-toi en fait. Laisse-le tranquille. Non, mais c'est comme ça. Allez. Taeyong ne va pas à la confrontation comme jeune. Non, mais lui, il aurait dit, bah, faites venir Saïwa, je vous montre. Non, parce que moi, je l'ai pas eu ce moment. Mais vous savez, quand on dort chez eux, Jia nous dit, on lui demande c'est quoi son type de fille. Il nous dit, si je te dis toi. Ok. Il le dit sans animosité aucune. Et c'est là sa voix. D'ailleurs, je dis Jonah, mais c'est Juna. Il sourit toujours aussi relax et très gentil aussi. Oh. Putain, par contre, mon son, il était fort là. Et il y aura encore des extras. Bah oui. Bah oui, je l'ai lu. J'ai rigolé à cause du concombre. Malgré tout, il parvient à moucher Dungeon qui se contente d'un petit sourire crispé. Il ne faut pas m'en vouloir pour poser ces questions, mais vous êtes des personnes publiques. Il a juste dit, il a répondu, il a dit, voilà, oh il est pas trop demandeur, mon petit Aniel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est donc normal que vos faits et gestes soient l'objet de discussions. Mais il a rien dit. En l'occurrence, diverses photos et vidéos recoupées ont mis en lumière la présence d'une étrangère à vos côtés presque systématiquement. Mais. Il a toujours pas compris ou c'est comment? Enseignement pris du côté de votre âge, ça ne fait pas partie du staff d'Open Entertainment. Ouais, vraiment, j'en ai marre. Vous savez quoi? Je fais même plus les remarques parce que vraiment, là, je pense que vous avez compris que je suis énervée contre ce mec. Il est donc légitime que le public s'interroge et que vous leur répondiez, car ça pose la question. La réponse a été donnée. Et je vous en remercie. Merci, Colin. C'est pas bon. Je me trague de débusquer la vérité, de tordre le cou aux rumeurs. Et de mettre les pieds dans le plat sur mon plateau. Il n'adore rien de plus que de monter les rumeurs en épingle pour mettre les idoles sur le grill plutôt. Comme il l'avait, du reste, déjà fait l'autre jour. Nana Durban paraît toutefois un peu moins tendue que tout à l'heure. Ça va se reproduire? Oui, pour tout et n'importe quoi, ça reviendra sur le tapis. Ou d'autres choses, même celles qui sont sans objet. Il suffit que quelqu'un émette une hypothèse et ça enfle sur les réseaux sociaux et le net en général. Oula, j'ai un peu bugué. Comme en plus, il y a toujours des téléobjectifs non loin si on ne prend pas on ne prend pas un maximum de précautions. Il s'agit d'être d'une prudence extrême pour préserver sa vie privée et même cela, ça ne suffit pas toujours. C'est leur vie. Je hoche la tête. Et comme vous le voyez, les réponses peuvent masquer la réalité. C'est un jeu d'ombre et de miroir, d'emballage, d'apparence. Tout cela n'est pas la vérité. Non, non. J'ai l'impression de les avoir traversés, ces miroirs qui l'évoquent et l'envers du décor. Cela donne un rôle de sentiment entre privilège extrême, redécouverte et stupéfaction. Mais vos fans doivent être tout à fait rassurés puisque vous aimez la bouche en cœur d'être célibataire. Ouais, bien sûr. J'ai le redit. Allez, et vous? Dungeon Meum pivote alors vers Tenshurjun. Ils ont l'air soulagés aussi. Et vous, qu'en a-t-il de ce côté? Rien du tout, non. Nous sommes tous à ton sommaire aussi. Les lèvres du groupe dédient un sourire charmeur à la première caméra. Et les fans dans le public crient d'émotion. On dirait que je n'accueille que des idoles modèles sur mon plateau ce soir. Son ton est clairement ironique, mais puisque l'écueil, d'accord, est évité, cela n'a plus guère d'importance. Je me sens incroyablement soulagée. Je vais pouvoir observer le reste de l'émission d'un œil plus sain. Nous pouvons à présent passer à ce qui motive votre venue conjointe à ces lieux, votre fameux duo. Ouais, j'espère après ce sera fini parce que vraiment tu me saoules. Vous avez relevé le défi que je vous ai lancé, et on peut au moins vous le reconnaître. Maintenant, à nous de juger la performance. Comet et Summer, vos applaudissements pour Sir Star et 21st June, dans un mash-up inédit de Form This Moment and Stardust. Et j'ai encore dit end. Non mais c'est... En même temps,
Tu parles en anglais. Qu'est-ce que tu veux que je dise pas and? C'est mon côté bilingue, mais avec mon accent un peu nul. Mais... On peut pas avoir les deux, hein. Si, mais... Le présentateur se retire alors que les lumières changent et que les deux groupes se lèvent de leur place sur les divans. Oui. Les neuf garçons prennent position. Chacun a un endroit que je ne connais par cœur et de les avoir vus répéter, tant vu répéter la chorégraphie. La musique coule des haut-parleurs et la performance débute. Elle se déroule avec tant de grâce, d'énergie et de naturel qu'on dirait qu'elle leur vient de façon innée. Invisibles les heures et les heures de répétition des mêmes gestes. Une fois supplémentaire, cela me fait réaliser à quel point la façade dissimule ce qu'il y a derrière. C'est comme si on voyait que le minuscule point d'un iceberg étincelant sous le soleil au zénith. Oula, je sais plus parler. Mais les tonnes de glace immergées qui permettent à ce pic immaculé de se... Mais non! De se maintenir au-dessus de la surface, personne ne les voit. Peu, je pense, les envisagent même. Mais c'est le spectacle. C'est comme cela que cela fonctionne. Et c'est pareil pour les dessinateurs, pour les acteurs. Tout résultat fini, tout art est construit par un temps infini de pratique. En tout cas, le show est très beau à regarder. J'aurais presque envie de fermer les yeux pour mieux me laisser imprégner par les harmonies conjointes de mes deux groupes favoris. Mais le spectacle est aussi visuel et il danse si bien, de façon si synchronisée tous les neuf, que je ne veux rien manquer. Tout se passe impeccablement jusqu'à ce que Imchan ne rate pas. Je fais une prévention, si Jia lui fait la remarque, et qu'on a le choix de défendre Imchan, ou de faire un truc comme ça, genre en mode on remet Jia à sa place. De toute façon, on l'a déjà mis à sa place, donc qui ne recommence pas. Je le mange. Il prend une seconde de retard, se désorganise l'harmonie parfaite des mouvements de l'ensemble. Non! Alors qu'il en laisse passer un autre pour rattraper le suivant, je vois Juna lui lancer un coup d'irrité. Hein. Lorsque la musique s'arrête, replacée dans un délai par des applaudissements nourris, Inchan presse ses mains contre ses lèvres. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin! Il paraît désolé, terriblement déçu de lui-même. Colin passe à. Oh oui! Colin! Je t'aime. Voilà, je t'avoue. Merci. Voilà. Non mais franchement, ça fait deux fois que je lui dis merci. Mais toi, mais... Recommence pas vraiment, parce que... Je vous jure, il peut être gentil, il peut être mignon, tout ce que vous voulez. Mais à des moments... Il me sort par les yeux. Mais c'est fou. Mais c'est fou, vraiment. Juna, par contre, lui jette un mot que d'ici je ne comprends pas et que les micros n'ont pas porté. En plus, je crois que c'est Jia, c'est la route la plus jouée. Je devine cependant aisément la teneur de la façon dont Imchan baisse les yeux comme s'il avait reçu une gifle. Ah, vraiment, ça m'énerve. Ah non, je fronce les sourcils, ça m'énerve. Mais déjà, le présentateur reprend, sans laisser une minute de répit et de repos aux artistes. Après cette très belle performance pour laquelle je pense l'ensemble de vos deux fanbases me sera très reconnaissante, à nouveau cette petite note suffisante très irritante à la fin de sa phrase. Nous allons passer à une autre partie de l'émission que les fans attendent avec impatience. Les épreuves, j'avais oublié. J'ai que bien sûr. 21st June compte sur Star et on comptera les points à la fin. Nungunium affiche un énorme petit sourire satisfait de cette mise en concurrence, tandis que ma cousine plisse le front. C'est comme Yuyu l'avait dit. Ce n'est pas du tout fan de ce... n'est pas du tout fan de ce truc, alors j'espère qu'on ne va pas lui demander de faire des épreuves trop humiliantes ou grotesques. Et pas des choses trop physiques. Elle glisse un coup d'œil à Manager Ban, mais ce dernier est occupé à échanger quelques mots avec Manager Kim. Le manager de 21st June ne paraît pas se déguider, même après le succès de la performance commune. Les membres de Surstar sont 5, alors qu'on n'est que 4, ils ont un avantage. Ceux qui vont discrètement sur le plateau pour rejoindre son emplacement, comme toujours, il a le sourire. Le nom ne fait pas tout, Sunshine, on se défendra.
Nombre ou pas, on ne va pas se laisser se battre. Allez, ça y est. Allez, il est content, il y a de la concurrence. Non mais. Il est très clair que John apprend cette compétition au public au sérieux. Ouais, bravo. Ah, vraiment, il m'énerve. Ah non, mais. En fait, genre. Je sais pas. Je sais pas quoi penser du gars. Genre, je l'aime beaucoup, hein. Mais ce côté compétitif, en fait, il est super chiant. Mais vraiment, d'un point. Mais c'est horrible. Vraiment. Pour la première épreuve, l'équipe a sélectionné le coin record du monde. Vous avez donc demandé à un membre de chaque groupe de tenter de battre un vrai record du monde. Va peut-être devenir les meilleurs du monde à quelque chose, waouh! Le show passera à la télévision dans des pays dont on ne sait même pas qu'ils existent. Vous êtes très optimistes tous les deux, mais faisons notre mieux. C'est pour ça que ce Guy c'est aussi mon préféré. Dans tous les jours, non, du coup. J'aime beaucoup Jay aussi. En fait, eux, je pense que j'ai un peu rien à redire parce que. Non, mais que par hasard, ce qu'on peut pas pécho, t'as rien à redire. Sur leur groupe en général, global. Parce que. Naturellement, celui qui s'en sort le mieux d'entre les deux opposants donnera un point à son groupe. À la fin, on calcule le score. Le présentateur rit. Ouais, trop drôle. Il me fait penser à un empereur romain réjoui face à une arène de gladiateurs qui vont s'entretuer dans les. Eh, hey, j'ai fait du latin, mais j'ai oublié. Hein. J'en fais toujours d'ailleurs. De seconde zone. Pour démarrer, donc, nous avons. Dengen fait semblant de consulter sa fiche, mais on voit très bien que c'est artificiel et qu'il a tout préparé. En tout cas, je m'inquiète. Non, j'ai envie qu'elle s'inquiète un peu. Est-ce que c'est sur lui? Oh! Je m'en fous. Honnêtement. Qu'a-t-il encore été chercher? T'es pas très. Ouais, c'est le truc où tu passes en dessous des fils. Des membres de l'équipe se précipitent sur le plateau pour déposer deux bouteilles à terre. Et une perche en équilibre horizontal sur les bouchons. Il s'agit de danser en dessous de. Ah, il faut danser. Bien, il faut danser. En dessous. Sans faire tomber la barre. Et à 21,5 cm de haut. Mais je passe même pas ma cuisse dans ça. Tu te fous de ma gueule? La hauteur de bouteille de bière. Non, peut-être que j'abuse un peu, mais. Non. Le record est pour le moment détenu par une jeune femme du nom de Chemika Campbell. Qui a réussi ce challenge inouï? 21,5 cm, c'est minuscule, elle doit être presque femme serpent. Ne parlez pas de serpent, sinon Aniel va s'enfuir au courant. Et Surtar risque d'être déforcé. Mais oui, mais voilà, c'est les gens en fait, ils disent qu'il a la phobie des serpents, alors que c'est pas vrai. Où est-ce que tu as une force d'une cherche? Et Aniel envoie un sourire poli. Nous sommes fair play. Et moi aussi, j'ai peur des serpents. Lui, par contre, c'est vrai! Ça me fait un point commun avec Yuman. L'intéressé n'a quant à lui pas. pas. Bah oui, parce qu'il a pas peur des. Oh là là, lui, il a. L'intéressé n'a quant à lui pas l'air d'avoir d'avoir saisi de quoi on parle. Occupé à réarranger une veste de ses cheveux, il ne réagit pas. Je me souviens de ce que Taewoong m'a dit. Le public pense qu'il a la phobie des serpents, mais c'est faux. 21st Zone et. Surtar et 21st Zone danseront-ils de façon plus souple que cette jeune femme? La danse des K-pop rend-elle souple à ce point? C'est à cette question primordiale que les idoles vont tenter de répondre dans un instant. Je suis sûr qu'il est déjà certain qu'ils vont rater en fait. C'est vrai que 21,5 cm. Je sais pas comment la détentrice du record a fait. Qui dans chaque groupe tentative de révéler le défi? Moi, je suppose que je suis le plus souple avec toute ma pratique de danse. Du coup, ça va être Ginny. Voilà. Voilà, mais voilà, mais je suis trop forte en fait. Chez nous, c'est Jin Seong, sans l'ombre d'un doute. En tout cas, sûrement pas moi.
Mais pourquoi il est bête? Mais pourquoi? Oui, Jin Seong, il l'a sauvé alors qu'il. Le choc des deux Mind Dancers. Lequel ira le plus loin fera choir la barre et le manteau. Déjà, Seki et Jin Seong assouplissent leur nuque, leurs chevilles, leurs genoux. Je porte mon attention sur les bouteilles et la barre qui narguent. Je ne vois pas comment c'est humainement possible. A toi l'honneur, Jin Seong, si tu veux. Défait non. Ou pas, car tu seras avantagé et on peut t'étirer plus longtemps. Mais ça reviendra au même, si c'est Seki qui commence. Donc tu es un peu bête. Bah, ça m'est égal. Je peux commencer alors si vous préférez, tout me va. Jin Seong jette un regard de reproche à son meilleur ami. Mais j'ai l'impression que c'est presque plus fort que Juna. Je vais le faire, Sunshine. Bonne chance. Bravo, Sarstar. Sarstar. Ginny. Ça, c'est de la concurrence. Ça, tu vois, c'est ce que j'aime. J'ai Ginny. Jia, il a dit un truc. M'en fous. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. Qui es-tu? Le main dancer de Sarstar s'avance vers l'emplacement où réaliser le limbo. Il se place devant la barre et écarte les pieds, joint les genoux et se laisse descendre au sol. Tout l'auditoire retient son souffle, plus aucun fan ne chuchote. Jin Seong fait glisser ses genoux et ses cuisses sous la barre alors qu'il incline le buste en arrière. Ses bras sont pliés le long de ses cuisses, ses paumes vers le haut et il avance 5 cm par 5 cm. Il progresse, son abdomen passe sous la barre alors qu'il incline davantage encore le haut de son corps vers l'arrière presque à l'horizontale. Je sais pas comment sa taille peut résister à une telle posture ou ses cuisses. Tout à coup, malheureusement, il heurte la barre avec le haut de son torse et elle roule en bas des bouteilles. J'ai pourtant fait ce que j'ai pu. Pas mal du tout, ça ne brisera pas le record du monde, mais l'effort est beau. Tout le monde sur le plateau applaudit Jin Seong de façon nourrie. Voilà. Les mains de sang se relèvent avec un sourire et un petit signe de remerciement. Oui. Je pense que si je m'entraînais, je pourrais y arriver, cela dit. Bah oui, tu étais presque. Pendant que deux techniciens replacent la barre sur le goulot des bouteilles de bière, Seki se prépare à son tour. Il se laisse glisser au sol comme s'il ne pesait rien, puis s'aplatit en arrière avant d'enfoncer comme Jin Seong un peu plus tôt. Dans les gradins, un duo de comètes fait du bruit. Peut-être un dessin pour le déconcentrer. Juna laisse entendre un claquement de langue agacé assorti d'un regard tueur. Elle cesse immédiatement. Bah voilà! Pourquoi là j'ai de nouveau envie de... Au moins il n'est pas un mauvais joueur. On l'avait déjà vu lors du pari. Seki continue sa lente compression, il arrive à l'endroit où Jin Seong a échoué. C'est trop dur. La balle roule sur son torse. Non mais... Comme elle avait fait un peu plus tôt avec le Mind Dancer de Sarstar. Peut-on dire qu'il s'agit d'une égalité? Ce sont nos pectoraux qui sont peut-être un peu développés. J'ai mal lu cette phrase, du coup je vais le refaire. Ce sont nos pectoraux qui sont trop développés peut-être. Kyung-won et son meilleur ami à se remettre debout alors que le public l'applaudit à son tour. Le record du monde suivant que vous allez devoir battre est le record du monde d'apnée statique. Le plus longtemps avec la tête dans l'eau sans respirer. Pour l'instant le record est détenu par un français 11 minutes et 35 secondes. Certainement pas mieux, mais c'est moi qui vais le faire pour Sarstar. Ah! Vous avez fait beaucoup de natation, n'est-ce pas? Oui, et de l'apnée aussi, justement. Donc c'est un peu mon domaine. Voilà, on voit un sourire éclatant à la caméra. Waouh! Et qui chez Tony Force Doom pour relever ce défi en sachant être presque battu d'avance? Les Katazel se regardent. Ou Jay secoue la tête, qui au moins pointe ses lentilles aux roches de l'annexe. C'est tellement pas moi non plus. Ah, moi j'aurais pensé que ce serait Kyung-won. Moi alors, ça ne me dérange pas de faire de... Ah, il a montré ses lentilles, je viens de comprendre. J'avais pas compris en fait. Pourquoi? En fait, il a des lentilles, du coup il peut pas, j'avais pas compris. Moi alors, ça ne me dérange pas de faire deux épreuves de suite, même si je vais me faire battre à plat de couture. Au top départ, le main dancer plonge donc la tête dans une sorte d'aquarium rempli d'eau claire apportée par la production. Mon cousin fait de même dans un deuxième cube. Sous tous les regards et l'objectif des caméras, leurs mèches se collent à leur visage plus flotte à la surface. Après quelques minutes, Seki déclare forfait en redressant le buste pour inspirer de grandes goulées d'air. Colin tient plus longtemps, pas les 11 minutes du record, mais un score honorable tout de même.
pendant qu'on leur apporte des cigarettes de gnome proclame Sartar vainqueur de cette série d'épreuves. Mais c'est loin d'être terminé. L'épreuve suivante est une épreuve de mime. L'un d'entre vous va devoir faire deviner quelque chose à une tierce personne en mimant. Petite surprise afin de mettre un peu de piment. Le présentateur se tourne vers les coulisses, donc vers ma cousine et moi. Venez, venez, c'est vous qui devrez deviner. Ah bah survie, je regarde Claire avec des yeux écarquillés tandis que mon cœur tambourine derrière mes côtes. Pardonne-moi là. Je pense bien, mais si tu n'as pas envie de dicteler, je peux le faire à ta place. J'avale ma salive. Oh non, j'ai pas envie non plus de lui faire. Mais elle s'en fout. Mais elle a dit, il a dit vous, on peut pas y aller tous les deux. Je sais pas. Alors il va lui dire non, pas vous. J'ai pas envie de dire Claire, vas-y Claire. Je me sens beaucoup trop paralysée par la panique pour me planter devant les caméras. En fait, je sais pas si c'était mieux que ce soit Claire ou moi, parce que par rapport à Colin, quoi. De toute façon, dans tous les cas, on nous aurait suivis, enfin, ou des trucs comme ça. Hein. Pour me faire scouter par des millions de gens, avec le risque de me ridiculiser devant la Corée du Sud entière, je n'ai pas envie de réaliser la risée des fans, de faire honte aux garçons. Pas de soucis, ma petite Saïwa. Heureusement, je m'étais pas habillée comme un gros sac ce matin. Ma cousine me donne une petite tape amicale sur le bras avant de s'avancer vaillamment sur le projecteur. Ah, c'est donc la sœur de Colin que nous accueillons sur le plateau. Oui. Claire ne paraît pas intimidée. Elle sourit à son frère, puis se penche vers le micro de l'homme léopard. Eh oui, bien décidé à trouver l'énigme. Malgré tout, j'ai la paume de mes mains moites pour elle par procuration. Et la mode était sur l'éclair. Oh, j'arrive pas à dire son prénom. Sélectionne lui-même les joueurs. C'est Kyungwan qui mime pour Claire et Shen de Joseon et John. Ouais, c'est certain. Ce dernier se voit signer le chien et n'a guère de difficulté à faire deviner ma cousine, d'autant que c'était plutôt simple. Le leader de Tony Turzone met plus de temps à faire trouver à Claire un mot plus compliqué et moi j'ai le cercueil. On dirait presque que Dungeon va avantager sur Star aujourd'hui. Ce n'est pas très juste. Non, j'avoue, c'est cool pour eux, mais c'est pas très juste. À Kyungwan. D'accord, écoute. Mais déjà que Dongyum annonce la suite des festivités. L'épreuve suivante s'appelle le coin de la peur. Chaque idol va devoir se confronter à sa phobie. Oh non! Pardon, je suis en train de rigoler pour Jia. Le groupe qui compte le plus de membres qui parviendront remportera la manche. Ouais, enfin un nombre de plus. Vous pouvez aussi choisir quelqu'un qui ne participera pas afin que ce soit équitable. Ça ne cause préjudice à personne et que ça ne fait pas trop passer pour un lâcheur, j'aimerais me retirer. Jonah et Colin hochent tous les deux la tête. Jin Seong fait un pas en arrière. Pendant ce temps, plusieurs employés et techniciens apportent diverses boîtes sur le plateau. Il y a un chihuahua dans une cage de... Oh non! J'ai même osé Taehyung, il va être là en mode... Oui, j'ai toujours pas compris. Il y a un chihuahua dans une cage de transport pour Gin-chan qui recule. Oh non, un gros serpent dans un vivarium pour Taehyung. Bien sûr, un concombre entier dans une assiette qu'on dépose dans le loin de Jonah. Le fan veut qu'elle soupire. C'est tellement pas crédible. Pour... Genre, vraiment, fallait pas le mettre à lui, mais ça fait rire. Ah. Un bocal contenant plusieurs cafards atterrit vers Colin, un aquarium avec une souris près de Woodjae. Je déclare forfait tout de suite si vous voulez que je me plonge la tête là-dedans. Et Yann tend le bras vers la décube de dos utilisée pour l'épreuve d'apnée tout à l'heure, que l'on roule dans sa direction. Déjà arrêté pour Tony First Zone, qui a au moins une petite caresse au serpent. Moi je l'aurais pas fait. Ah oh, rien que d'y penser. Oh non, s'il mourait. En plus j'ai plusieurs phobies moi. Donc c'est ça qui est le pire. Genre ils auraient pu me... En fait j'en ai pas de pire. Genre les... Toutes mes phobies me mettent super mal à l'aise en fait. C'est horrible. L'air peu assuré, le mannequin s'avance et pose très vite l'index sur la pauvreté pour garder avant de la retirer. Ah bah oui, il s'en fout.
Taïwong, quant à lui, caresse carrément le reptile, et pour cause, je sais qu'il n'en a pas vraiment peur. Dans les gradins, elle est décrit impressionnée Ça, c'est un avantage. Un amouré s'élève, d'accord. Jonah touche le concombre d'un air. Écoutez, pardon, ça me fait. Inchan, en revanche, ne parvient pas à s'approcher en plus d'un mètre du petit chien. L'alerte est terrorisée quand le chihuahua aboie et il me fait de la peine. Ah, ça va, elle est retournée avec nous. C'est quoi cette émission où leur force se trouver à face à leur phobie? Yu-Yu avait bien raison. Le public a l'air de trouver ça très drôle, ça les fait rire. Ça me rappelle pourquoi je n'ouvrais jamais ma télévision quand j'habitais à Séoul. Ouais, c'est pas drôle. Quand Colin effleure le dos d'un gros cafard d'un doigt, ma cousine s'étonne. Je savais pas que Yu-Yu avait peur de ça quand il était petit, certainement pas. Ça a dû lui venir sur le tard. Quant à ce qui, c'est un peu de la triche car nous n'avons pas d'avion dans lequel le faire grimper. Ah! Je vais pas m'en plaindre. On lui apporte l'or d'une maquette d'avion d'environ 50 mètres de long. 60 mètres de long. Pas de surfroide? Non, c'est uniquement quand je monte dedans. Voilà, dès le 6 s'en sort un beau compte donc. C'est juste qu'il a pas dit. Je vois Jonah français et sourcils à cette conclusion. Pendant ce temps, elle est effrayée où Jay touche la fourrure d'une souris blanche avant de retirer le doigt comme s'il avait été brûlé. Il est en mode ah. Les serveurs en nom de l'auditoire l'applaudissent chaleureusement et il leur est dédié un sourire étincelant. 3 sur 4 guerriers de Chetan Tuers Dune, le même nombre chez Sartar, et nous avons donc une nouvelle égalité. Au total des points. C'est toutefois une victoire de Sorstar. Les comètes peuvent applaudir leur héros. Voilà un prix de plus à défaut d'en avoir raflé plusieurs lors des Azen Awards. S'il te plaît, ne pète pas un câble. Mais je vais lui faire fermer le clapet. C'est vraiment bas. Vraiment, c'est gamin, mais ça peut leur faire grave mal. Après de moi, ma cousine bouillonne encore davantage. C'est pas fini. Il y a toujours une dernière section à l'émission avec une surprise. Derrière Manager Ban, Manager Kim se ronge l'ongle du pouce. Il a consommé beaucoup d'anti-acide pour son estomac. Il m'est vraiment antipathique. Je suppose que j'ai eu Manager Ban. Ah, tu sais quoi, je préfère avoir lui que... Colin et ses amis ont vraiment de la chance qu'Open Entertainment leur ait assigné Manager Ban, j'avoue. Les 9 idols ont pris leur place sur les canapés, entre les coussins tachetés comme des panthères. Dongjun Yum trône au centre comme un souverain. Pour la fin de l'émission, figurez-vous que la production est partie à la pêche. Nous avons été pêcher un poisson peu ordinaire, 9 petits poissons plus précisément. Ah oui, quel poisson? Vos photos scolaires au début du lycée. De quoi plaire aux femmes, sans doute. De vous revoir à 15 ans et en uniforme. Hey. Les femmes sur les gradins commencent déjà à applaudir avec enthousiasme. Des archives précises et, je crois, inédites, car vous ne les avez jamais diffusées au public auparavant. Alors que les membres de Sorcer échangent des murmures un peu surpris mais plutôt amusés, mon attention est attirée par Nintendo Force June. Ah! Le beau visage parfaitement lisse de Wu Jae donne l'impression de se fragmenter. Au même moment, je ne sais pas quel fait a précédé l'autre qui tombe au sol en gémissant de douleur. J'ai horriblement mal à l'estomac, je crois que je vais devoir vomir. Aussitôt ses trois amis et Kyungwan en premier se glissent à ses côtés de la mine très inquiète. Nungun a au moins la sollicitude de se lever de son fauteuil. Ah, ça me met mal à l'aise. Ah, mal à l'aise parce que... Je sais pas... Nous avons une équipe médicale dans les studios qu'on la fasse venir tout de suite. Avec précaution, Kyungwan et Hélène relèvent le main dancer qui tient le vent des deux bras. Son visage bronzé, habituellement souriant, est crispé par la souffrance. Ah, c'est une crise d'angoisse? À ce point? Non. Oh, mais le... Pardon. Woodjay, les ressommum de l'angoisse, porte une main à sa bouche. On va l'évacuer dans les coulisses près de notre manager. On appellera l'ambulance s'il faut. C'est le chaos sur le plateau tandis que les Tenture Zoom entourés par plusieurs employés arrivent près de nous.
Un manager doit un technicien qui se tient sur son chemin, puis se précipiter vers ses poulains. Ah bah là, il est gentil avec. Hein. On dirait un tourbillon qui s'évanouit deux secondes plus tard comme s'il n'avait pas existé, lorsque le groupe disparaît dans un couloir. Ce plateau de les Star Stars ont aussi l'air soucieux pour le pétillant danseur, alors que les Summers sanglotent et crient. Il entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Ouais, heureusement que c'est pas toi, quoi. Nous avons même un médecin sur place et toutes les dispositions qui seront prises pour qu'il soit bien soigné. Revenons à nos moutons en attendant d'aller prendre ses nouvelles. Le médecin va devoir l'examiner, cela va prendre quelques minutes au moins. Au moins, le léopard des ondes, sans doute rodé par l'expérience, sait-il comment gérer la situation. Le calme ne tarde pas à revenir dans les studios, les fans pleurent encore, mais en silence. Le show doit continuer, comme on dit. Je regarde ma cousine. Oh. J'ai envie de voir les photos, mais... Non, je vais pas aller voir ce qui, parce que bah c'est trop... En plus, il y a le manager avec, laisse tomber. Hâte de voir Colin en uniforme scolaire. J'ai la flemme de supporter manager Kim. Par qui allons-nous commencer? Par quelqu'un qui n'a pas beaucoup changé. Imagine de semblant, les réservés apparaissent sur un grand écran. Se reconnaissant peine mon cousin, qui, il est vrai, n'a pas énormément changé. Je veux voir, je veux voir. Ah oui, c'est en noir et blanc. Ah bah zut alors. Enfin non, c'est des croquis du coup. Bah il est mignon quand même, hein. Il s'est étoffé, ses cheveux sont coiffés de façon plus artistique maintenant, et il a également pris pas mal d'assurance. Les cheveux sont des traîtres, puisque les teintures sont interdites dans les collèges et lycées, où on sait qu'ils sont naturels. C'est tellement rare qu'on sait aussi à qui ils appartiennent, sans le moindre doute, ce n'est pas drôle. Oui, excusez platement mes cheveux. Colin sourit et ma cousine fait de même. Mon yu-yu est tout de même vraiment adorable. Vous avez l'air d'un premier de la classe, c'est uniquement un air. Non, je me débrouillais bien dans les études. Il n'y aura pas comment il aurait pu entrer dans l'université Sky avec son excellent score au Ok. Mais c'est la vérité. Les vagues de vérité fraternelle qui émanent de ma cousine sont si fortes qu'elles sont presque palpables. Le suivant est également trahi par quelque chose, ce n'est pas du jeu avec Star Star. C'est à présent la photo d'un adolescent sérieux, aux cheveux sombres mais porteur de lunettes rondes, qui remplace celle de Colin. C'est vrai que le suspense est assez peu présent, je suis myope depuis que je suis petit. Vous avez toujours porté des lunettes alors? Depuis l'âge de 3 ans, je pense, je me souviens pas très bien. Sur scène, vous n'en abordez pas lentilles ou rien du tout? Lentilles, je ne vois vraiment rien, sinon je risquerais d'entrer en collision avec les autres sur la scène. Je vous avouerai que ce serait pas très pratique. L'image à l'écran est remplacée par une autre. Le regard de l'adolescent crie sans le moindre doute qu'un adulte est devenu. Ah, ah oui, vraiment la tête de fière, hein. J'avais déjà l'air d'un gagnant à l'époque, je savais déjà ce que je voulais. On ne peut vous l'enlever, et l'air décidé était bel et bien présent. Juna, adolescent, tranche avec Inchan au même âge comme leur version adulte le font. Plus jeune, le nippo-coréen avait l'air encore plus timide qu'aujourd'hui. Oh, je veux voir, il je suis sûr il est trop cute. Oh, il est trop cute. Attendez, c'est ça les illus. Ah non, il y en a d'autres. Je me suis pas mal extériorisée avec les années. J'étais tout à fait dans mon monde à la fin du collège et au début du lycée. Sans surprise, Taehyung a 15 ans et le dernier à apparaître. Il était mignon aussi. Ils sont tous trop mimes. Trop mimi. Je veux voir, je veux voir. Oh, on dirait... On dirait pas du tout lui, c'est trop bizarre. Ah, c'est trop bizarre. En fait, là, je reconnais que c'est Imchan parce qu'il a les grains de beauté. Là, bah, Jia, ça se voit totalement. Là, Colin, bah, ça se voit totalement pareil. Et... Mais Aniel, ça se voit pas du tout. Ah, mais c'est vrai. J'avais oublié qu'il ressemblait plus du tout à ce qu'il était. Il l'avait dit en plus. Ah là là. J'ai soin d'un autre monde.
C'est alors que je réalise que, à l'exception de mon cousin, bien sûr, tous les adolescents avaient les yeux beaucoup plus bridés. Ma sœur et mon frère se sont des portraits crachés de moi à cet âge. J'ai presque l'impression de les voir quand je regarde cette photo. Dongunyum continue à parler de choses et d'autres groupes pendant quelques minutes supplémentaires. Puis alors, un de ses employés vient glisser lui quelque chose à l'oreille et remercie sur Star de leur présence. On m'apprend que tout juste que Sunky va bien, donc les Summers peuvent arrêter de renifler. Sunstar remercie chaleureusement le public à son tour, puis les cinq garçons se matérialisent auprès de Madame Urban et nous. Vous en êtes bien tirés, ça aurait pu être bien pire. Mais Dieu merci, c'est fini, ouf. Claire lui frotte vigoureusement le bras. T'as été super, mon Yu, mais je ne savais pas que tu avais peur des cafards maintenant que tu es adulte. À ce moment, un technicien nous frôle le panier de transport du chihuahua entre les bras. Il vient de reculer précipitamment sur le côté et bouscule un peu Jinseng dans son angoisse. Le technicien se fend alors d'une insulte suffisamment sonore pour que Imchan l'entende. On lancera des chiens à tes trousses pour que tu repartes plus vite dans ton pays, sale Jap. J'ouvre des yeux scandalisés. Pardon ? Jia, t'es très mal placé pour faire ça, hein. Parce que je t'ai vu sur le plateau. Je sais ce que t'as fait, Imchan. Hein. Et vraiment, genre, vraiment, ça me fait rien qu'ils te défendent là. Vraiment. Plus rapide que quiconque, Jonna attrape le technicien par le col de son pull et ses yeux lancent des éclairs. Qu'est-ce que t'as dit à mon pote ? Si tu l'insultes, tu m'insultes. Si tu veux avoir le cul botté par un bon sud-coréen, c'est le meilleur moyen. Il m'énerve. Jonna, ce n'est pas la meilleure des idées. Avec mépris, presque dégoût, le main vocaliste lâche autre homme. Puis s'en va sans un regard. Oh là là. J'ai envie de lui faire un câlin, voilà. Une chaîne dessus des yeux abasourdis comme s'il n'attendait pas à voir ce moment survenir un jour. Bah c'est vrai, déjà rien que ce qu'il a fait sur scène, moi j'aurais dit. Moi, genre, une chaîne, genre, je sais qu'il est tout mignon, mais je suis pareil, hein. Vraiment, genre, je suis un peu pareil. Mais j'aurais dit, par contre, sur scène, tu fais pas ça. Tu me fais des reproches. Maintenant, les garçons vont signer des autographes aux fans qui patientent dans le hall d'entrée de l'immeuble. Les filles, il vaudrait mieux que vous nous attendiez en extérieur sur le côté. C'est compris. Tant de choses se sont passées au cours des 2 heures écoulées. J'ai l'impression d'échapper à un tourbillon. Je suis soulagée que l'émission se termine et que le groupe échappe enfin au griffes de Dongunyum. Je suis restée tellement tendue que j'ai l'impression que je devais me casser en deux si la pression ne redescend pas rapidement. Les garçons sont en ce moment avec Madame Durban et je sens à peine la main de Claire se serrer autour de mon bras. Ce n'est que lorsque l'air frais de la nuit me claque en plein visage que je reconnecte avec la réalité. Respire, Sayua! Ça va, j'ai besoin de m'aérer la tête. Fait amusant, il est impossible de retenir sa respiration volontairement jusqu'à ce qu'on meure. Le cerveau ne se laisse pas faire, et la nature reprend le dessus. Jette un petit regard, ma cousine. Tu comptais pas non plus aller jusque-là? Et comment tu sais ça, toi? Trop d'heures aérées sur le net dans ma jeunesse. Claire me tapote l'épaule avant de remonter le col de son manteau. Je suis quand même moi aussi pressée de rentrer et me reposer. Ce présentateur vicieux me sort par les yeux. Moi aussi, je ne peux pas le saquer. Mais son émission de reste un passage obligé pour les idoles. J'ai cru comprendre qu'il faisait un peu d'autorité dans le milieu. Hélas. Et comme en plus il se prend pour Dieu le Père, il ne risque pas de faire changer ça. La discussion avec Claire a au moins eu le mérite d'achever de me détendre. J'espère qu'ils ne vont pas trop s'éterniser car j'ai envie de rentrer moi aussi. Ça devrait être rapide. Je croise les bras sur ma poitrine pour me tenir un peu plus chaud. Mine de rien, la mi-novembre est arrivée et y a amené l'hiver avec elle. Je tourne distraitement la tête, plus par automatisme qu'autre chose. J'aperçois alors une silhouette cachée dans l'ombre d'un mur loin de la lumière des réverbères. J'attrape le bras de Claire qui laisse échapper un cri surpris. Claire, il y a quelqu'un là. Ma cousine pivote sur ses talons et dans ma tête, le scénario s'enchaîne. Et si c'était un autre journaliste ou la même personne qui semblait nous avoir suivis lorsque nous avions pris le métro avec Sylvia? Ou alors, je n'ai toutefois pas besoin de me creuser la tête. Ma silhouette fait quelques pas vers nous et le visage brun contrit de Bidung apparaît.
Oh, c'est toi. Bonsoir. La voir ici ce soir n'a rien à vrai dire d'étonnant. Alors, je viens m'excuser pour Aniel et je viens aussi le féliciter pour ce qu'il a fait ce soir sur le plateau. Allez, un truc comme ça. En bonne fan qui se respecte, elle n'aurait sans doute pas manqué une émission où Sarstar apparaît. D'autant qu'elle et Taewoon paraissent toujours se débrouiller pour obtenir des tickets pour tous les événements. Non, je m'en fous. Cela me fait pas plaisir de la voir. Vraiment. Elle est toujours si hostile à mon égard et je flaire déjà qu'une prise de bec s'annonce. Bonsoir. En plus d'être froid comme ordinaire, le ton de sa voix est un peu étrange et me dirait qu'il vaille. Tu as assisté à l'émission, j'imagine. Ça t'a plu? Byung ne répond pas et branque les yeux sur moi à sa place. Ce n'était pas la vérité. De quoi tu parles? Attention, je vais faire le ton dramatique parce que... Taehyung et toi, je sais que tu me l'as volé. Je serai parfaite pour lui pourtant. Je connais tout de lui, je l'admire, je le respecte. Je connais depuis bien plus longtemps que ton débarquement à Séoul. Je pourrais le rendre heureux, bien plus heureux que toi. Tu ne le pourrais. Ah, il s'est déjà plus tequi, hein. Pardon, j'ai un peu bugué. Et puis, c'est mieux pour lui d'être avec une Coréenne, pas une étrangère. Elle a craché le mot comme si c'était une insulte. Comme si la perspective était horrifiante. Ah, j'ai envie de dire ça. Taewoong ne te connaît même pas. Ça changera, je le sais. Taewoong est très occupé et je sais bien qu'il n'a pas le temps pour le moment. Mais toi, tu te mets entre nous deux. Je sais que tu as des vues sur lui. Que peut-être que tu l'as déjà embobiné. Laisse-le tranquille, il n'a pas besoin de toi. Claire, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, aussi ébahie que moi, retrouve la parole. Je ne sais pas dans quel délire tu es, mais laisse-moi te dire que tu es parti très loin. Aniel ne sait même pas qui tu es et... Ou ce que tu lui veux, comme l'a dit Saiwa. Je l'aime de tout mon cœur. C'est pas une fan. C'est pas une fan. Je suis désolée, Saiwoon, pourquoi tu traînes avec elle? Jette-la dans un ravin, qu'est-ce que t'attends? Myung serre les poings le long de son corps et les yeux toujours vissés sur moi comme si elle me défiait. Tu l'aimes tellement et tu as failli le tuer la dernière fois. Allez. Boum! Boum, boum! À la remarque de ma cousine, le visage de Myung se fige, comme si elle avait été giflée. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Taewoong. Tu as fait exprès de lui tomber dessus pour te rapprocher de lui. Je ne pense pas... Si, si, moi je pense. Myung pince les lèvres. Je ne ferai jamais de mal à Taehyung, c'est tout ce que j'ai à dire. Quelques passants nous frôlent et nous jetons des regards étranges, et Claire fait claquer sa langue contre son palais. Elle me prend ensuite par le bras pour m'éloigner de l'autre jeune fille, mais celle-ci nous suit. Nous nous retrouvons un peu à l'écart dans un endroit plus calme. Je veux que tu rompes avec Taehyung. Bah non. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire? Je n'ai pas de compte à te rendre. Et Taehyung non plus d'ailleurs. Pour ton information, Colin est mon cousin. C'est normal que je passe du temps avec les garçons. J'ai vu comment Taehyung te regardait, Saiwa. Déjà lors des awards, et ce soir, et toujours. J'ai envie de... Mon Dieu, c'est horrible. Je ne pense pas que je te convaincrai de quoi que ce soit, vu que tu as déjà été persuadée et bornée de ton côté. On va y aller, inutile de discuter avec elle. Claire me prend par le bras pour m'entraîner plus loin. Elle espère peut-être que Myung ne nous suivra pas, mais l'autre jeune femme s'est mis bien en tête. Oh mon Dieu. La Coréenne m'attrape derrière le poignet pour m'arrêter et me tirer vers elle. Surprise, je suis pour un temps déséquilibrée avant de me reprendre. Après toute cette journée chargée en émotion, je suis à la limite de l'explosion. Et le comportement de Myung que je trouve ridicule lime le peu de nerfs qui me reste. Sérieusement, c'est quoi ton souci? Oh mon Dieu, j'espère qu'elle fait pas ça avec tout le monde. Bah, je pense pas, du coup. Je t'ai dit qu'il n'avait rien entre Taehyung et moi. On ne doit pas faire une scène ici. En plus, ce duo et les autres vont bientôt y aller. Taehyung est à moi. Il n'y a personne d'autre que lui-même. Elle fait mine de lever le bras et je pense qu'en un instant qu'elle va me frapper. Elle interrompt pourtant son geste, tant le coup pour regarder derrière nous. Je ne peux pas m'empêcher de faire pareil. J'aperçois que alors les membres de Sarstar qui se feraient un chemin à travers une vingtaine de personnes agglutinées près d'une voiture. Comme par magie, Myung se désintéresse de nous et fonce vers l'attroupement.
sauvé par le gong, ou presque. On va rejoindre les garçons aussi ou pas? Non, pas la peine, ils sont déjà dans la voiture. Et puis après la question de l'autre abruti, on va éviter d'assister les soupçons. Ce serait préférable qu'on ne te voit pas avec eux. J'acquiesce un peu déçu. J'aurais aimé pouvoir parler avec Taewoong de ce qui s'est passé ce soir. J'enverrai un message à Yu-Yu tout à l'heure. Pour le moment, on va essayer de trouver un taxi pour rentrer. Et je n'ai aucune envie de prendre le métro. Surtout qu'on ne sait pas qui pourrait nous suivre. C'est plus prudent. Claire ne rajoute rien et me prend la main pour me donner alors que le van noir des garçons part dans l'autre sens. Je repense à ce que nous a dit Myung. Tu crois qu'elle va vraiment mettre ses menaces à exécution? J'en suis pas si certaine. Ce genre de fan n'aime pas partager les informations avec les autres. Ça lui donne l'impression d'être dans l'intimité de son idole. Ça me fait un peu peur, ça me rend un peu triste de l'avoir dans son monde comme ça. Non, vraiment. Ne t'en fais pas, je ne la laisserai pas s'en prendre à toi. C'est gentil, mais je n'entendais pas moi. On peut mettre Aon sur le coup. Elle peut devenir ton garde du corps. Claire m'arrache un petit rire, ce qui permet à mon esprit de se calmer. J'ai envoyé un petit message pour dire aux garçons qu'on est désolé de ne pas les avoir rejoints. D'accord. Nous arrêtons un instant, je fouille dans mon sac à main pour retrouver mon téléphone. Mais alors que je m'apprête à déverrouiller, l'appareil sonne entre mes doigts. Oh, c'est Taewoong. Ça tombe bien. Je décroche avec un petit sourire à la fois heureuse de ses nouvelles et triste de ne pas l'avoir revue. Saiwa, est-ce que tout va bien? Oui. Si. J'ai peur de Myung. On va pas commencer à faire des cachotteries. Ça fait 5 jours, 4 jours, je sais plus. J'ai croisé la fan qui t'était tombée dessus la dernière fois. Oh, elle va bien, j'étais soulagée qu'elle ne soit pas blessée. Oui, elle va bien, elle voulait encore te voir. Moi, c'est toi que j'aurais voulu voir. Je suis désolée, on vous a raté. Ce n'est pas grave. Mais je t'appelle pour te parler de ce qui s'est passé lors de l'interview. J'espère que tu n'es pas trop triste par rapport à ma réponse. Non, je t'assure. Je souhaite quand même t'expliquer parce que je veux surtout que tu ne te fasses pas de mauvaises idées. J'ai dit non parce que je... Pas parce que je ne t'aime pas, bien au contraire. D'abord, l'agence m'a dit de dire non. Si je me souviens bien du rendez-vous pour la signature de mon contrat. Et puis, je voulais te préserver. Surtout qu'on n'en avait pas parlé tous les deux avant et je ne voulais surtout pas te mettre dans une position délicate. Avec la presse et les sassaignes. Ma priorité, c'est que tu ailles bien, Saiwa. Si je te faisais souffrir, je ne me pardonnerais pas du tout. Et puis, je voulais aussi te dire que malheureusement, ce genre de rumeurs ou de questions risquent de revenir. Je sais, ça change rien pour moi, je vais être avec toi. Ça me fait pas peur. Pour le moment, je crois moi aussi que c'est mieux si ça ne se sait pas. On est sur la même longueur d'onde, c'est génial. J'imagine sans peine son sourire lorsqu'il dit cela et cela suffit à me gommer toutes les inquiétudes. Mais je veux quand même me faire pardonner. Tu te rappelles, je t'avais dit que je t'emmènerais pour un vrai rendez-vous. Eh bien, on y va demain? Oui, j'en ai très envie. J'espère que ça va pas se couper au moment. Génial, j'ai une petite surprise pour toi et je n'en dis pas plus. Demain, 15h au coin de la rue de notre immeuble, ça te va? Tu attises ma curiosité là, mais oui, ça me va. Génial, j'ai trop hâte. À demain, Saiwa, tu me manques déjà. Moi aussi, à demain, Taewoong. Je l'aime. Pardon. Je suis gaga. Hein. Ouais. Le silence se fait dans mon smartphone. Et je pousse un petit soupir. Ta tête en amoureux va au détour, Saiwa. On se manque pas des gens comme ça, mademoiselle Quack. Je n'oserais pas. J'ai cru comprendre que tu allais être occupé demain. Oui, j'ai rendez-vous à 15h. J'espère que tu t'amuseras bien. Pendant que tu discutais, j'ai reçu un message de Taewoong. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle a du nouveau sur ce qui est arrivé à Yu apparemment. Elle voudrait qu'on se voit assez rapidement. Et puis, en fait, figure-toi qu'elle est en train d'arriver à Séoul depuis Busan. Waouh, elle nous laisse presque pas le choix là. On pourrait toujours lui dire non, mais j'ai envie de savoir ce qu'elle a déniché. Je peux y aller toute seule si tu préfères. Non, je viens avec toi. Ok, en route. Ok, alors en route, mauvaise troupe. Le temps qu'on s'y rende, elle devrait déjà être là-bas aussi. Elle m'a envoyé son message alors qu'elle était tout près de Séoul.
Je boutonne le dernier bouton de ma veste et je me mets à marcher près de Claire. Alors que nous sommes serrés l'une contre l'autre dans le wagon, Claire siffle une petite injure à mon oreille. Mais qu'est-ce qui se passe? Bordel, je crois que je viens d'apercevoir ce cafard d'Ixig Choi. Toujours là dans les mauvais coups, celui-là. Tu crois qu'il nous suit? Ça ne m'étonnerait pas de lui. On va descendre à la prochaine station et on prendra le prochain métro. Quelques instants plus tard, nous nous faufilons hors de la rame pour reprendre nos esprits sur le quai. Il a fait pareil? J'en ai pas l'impression. Ce n'était peut-être pas lui. Peut-être qu'il ne nous suivait pas, en fait. L'espoir fait vivre. Ça ne peut être un hasard. Séoul n'est pas suffisamment petite pour permettre de telles coïncidences. Claire me semble stressée. Elle appréhende sans doute ce que va lui dire Chaiwon. Nous remontons dans la rame suivante et reprenons notre chemin. Claire ne dit plus grand-chose et garde les yeux rivés sur son téléphone. Après 15 minutes de trajet, nous quittons une nouvelle fois nos places pour sortir du wagon, traverser la station. Nous nous retrouvons ensuite à l'air libre dans la rue. Alors, où va-t-on maintenant? Si j'en crois la carte de mon téléphone, c'est auprès et... Oh, mais dites-moi que je rêve. Il est encore là? De quoi? Claire tourne la tête, puis à droite... Puis à gauche, et tombe enfin sur la silhouette du journaliste. Celui-ci s'approche de nous, mais nous n'avons pas moyen de nous éclipser en toute discrétion. Non. Comment on se retrouve, mesdemoiselles? Ne vous foutez pas de nous, ça n'a rien à nos ordres. Inutile de vous énerver, mademoiselle Quack. Je l'ai attrapé tout à l'heure, en tout cas, vous ne trouvez pas? Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, c'était surtout une interview pleine de mensonges. Tu dis connais, non? Je fronce les sourcils et Claire serre les poings. Parce que clairement, il y a anguille sous roche. Peut-être même baleine sous caillou. Vous êtes toujours avec eux. Le nombre de photos de vous avec le groupe se compte par dizaines. Il se murmure aussi parmi le staff qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Pop Entertainment n'a pas de dating ban strict et illégal. Rien n'empêche les idoles sous leur bannière de s'amuser un peu derrière les portes closes. Leur contrat ne risque rien, contrairement à d'autres. Vous êtes totalement à côté de la plaque, monsieur Tio. Colin est mon cousin, un cousin que je n'ai pas vu depuis des années et avec qui j'ai envie de passer du temps. Vous croyez que s'il y avait plus que... avec un de ses amis, je n'irais pas le dire? Ce n'est pas tous les jours qu'on peut sortir avec une star. Je choisis d'attaquer un peu plutôt que de me défendre. Comme si vous prendrez le risque de vous exposer. Je fais ce métier depuis des années et vous n'êtes pas la première à fricoter avec des sécurités. Je sais reconnaître les indices, il n'y a pas fumée sans feu non plus. Mais enfin, avec Assassin, il suffit d'un échange de regards involontaire pour qu'elle s'imagine tout et n'importe quoi. Et à moins que vous n'ayez pas de preuves, vous allez gentiment vous faire voir. Oh, mais je compte bien trouver des preuves, mademoiselle Quack. Et je sais qu'elles existent, alors j'espère pour vous que vous les avez bien cachées. Vous pouvez chercher longtemps. Il n'y a strictement rien à cacher. Alors fichez-nous la paix. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il a un sourire qui ne dit rien qui vaille. Claire et moi tournons les talons pour nous éloigner. Je lance un regard par-dessus mon épaule et vois Ixig Choi déjà sur nos talons. Il va nous suivre. Alors on va essayer de le semer. Je te suis. Je vais pas me laisser emmerder par ce type. Claire me tire par le bras et dans une petite ruelle et accélère le pas. Nous faisons de nombreux détours, passons plusieurs fois au même endroit. Les gens vont finir par nous prendre pour des dingues. Je m'en fiche. Tant que cela n'empêche de nous suivre. Je me tourne à nouveau. Je ne vois plus en tout cas. Ouf, parce qu'on pouvait pas non plus faire ça éternellement. Chaiwon nous attend. Claire et moi reprenons donc le chemin dans la rue principale. Ça ne devrait pas être trop loin, heureusement. 5 minutes plus tard, nous poussons en effet la porte d'un petit bar. Est-ce qu'on pourra commander un truc? Parce que je meurs de faim. Oui, moi aussi. Être en colère, ça creuse. Soulagés, nous nous installons à une table et nous apprêtons à consulter la carte. Chaiwon n'a pas l'air d'être arrivé. Je jette un coup d'œil discret à la porte d'entrée et repose le menu d'un geste vif. Mais... Et Ixig Choi est tranquillement assis à une table juste en face de la mienne. Comment il a fait? Il était peut-être en flanc quelque part. Il me fait chier, ce type! Claire se lève et lui jette un regard étonné. Bon, ça va, mais on n'a pas encore vu Chaiwon.
Non, on va changer de place pour être plus tranquille, viens. Je limite et là, on... et la suée vers le fond du bar, dans un coin un peu plus peuplé où il ne reste plus qu'une table de livres. Au moins, il ne pourra pas nous coller ici. Non, et heureusement, j'ai envoyé un message à Chaiwan pour lui dire qu'on est bel et bien arrivé. On commande maintenant ou on l'attend? Désolé pour elle, mais j'ai trop faim pour patienter encore. Nous demandons donc nos plats, qui arrivent à quelques instants plus tard. Chaiwan montre elle aussi le bout de son nez, avec une synchronisation parfaite. Elle s'approche de nous et nous salue d'un petit sourire. Merci d'avoir bien voulu me parler. Merci à toi plutôt pour les infos. Mais tu ne pouvais pas nous les envoyer par mail, tu as pris un jour de congé rien pour venir nous voir. Je suis partie un peu plus tôt du travail. Je dirais à mon boulot que je me sentais malade. C'était trop important et Colin passe avant tout. Je vais commander un truc à boire, puis je vous explique. Une fois son verre de soda dans ses benchans devant elle, Chaiwan se lance enfin. Je continue à surveiller le réseau des assassins d'un peu tout le monde. Ça a mis un certain temps à émerger et je ne sais pas exactement pourquoi. Mais j'ai finalement vu apparaître des vêtements qui semblaient appartenir à Colin. Tu es sûr que ce sont les siens? J'ai justement les photos, peut-être que Claire pourra nous dire. Je ne connais pas tous les pyjamas de mon frangin, mais parmi l'un de ceux qui ont été volés, il se trouve un de mes cadeaux. Peut-être le reconnaît facilement parce que je l'avais fait customiser rien que pour Yuyu. Je l'avais fait envoyer de Paris il y a 2 ans. Chaiwan lui tend son téléphone et Claire se penche sur les photos. Oui, c'est bien Yujin, je reconnais le pyjama que je lui ai offert. Je suis agacée par les voleuses. Et maintenant, on fait quoi? Parce que c'est bien joli, mais ça ne nous dit pas qui a fait ça. Ni comment on pourrait récupérer les affaires. Qu'est-ce qu'elles en font, au fait? Elles les exhibent comme des trophées? Non, elles les vendent, et pour des sommes astronomiques. Bah tiens, quitte à en profiter jusqu'au bout. Il y aurait vraiment des gens prêts à acheter ça? Car rien ne prouve que c'est authentique. Ce réseau est connu pour sa fiabilité. Ça veut dire que c'est à Colin, alors c'est à Colin. Une vraie mafia. Et d'après ce que j'ai compris, un nouveau cambriolage se prépare. En fait, elles prennent commande puis passent à l'action. Wow, sérieusement, si une armée cherche des espions, c'est des espions, c'est les assassins qu'il faut aller. Tu sais qu'elles vont viser ou pas? Chaiwan secoue la tête tristement. Pas tout à fait. Ça se joue entre Jia et Aniel. Pour Aniel, peut-être que Myung pourrait être au courant. Mais je n'ai pas très envie de lui parler, là. Chaiwan nous observe et ne pose pas de questions. Non, moi j'ai envie de lui en parler, c'est sa pote, sérieux. Chaiwan nous observe, mais ne pose pas de questions. Claire, il faut qu'on fasse quelque chose. Je réfléchis. Et si on tentait d'infiltrer leur réseau? Je sais que ça fait très étrange à dire. Comme si on avait une mission secrète, mais... Est-ce qu'on n'est pas... Ce n'est pas la meilleure solution? Claire pourrait échanger quelques infos avec elle pour gagner leur confiance. Rien de compromettant, mais assez particulier pour que seul un membre de sa famille ou une personne obsédée par Colin pourrait savoir. Faut aussi me porter garante pour vous? C'est presque une société secrète. J'espère qu'il n'y a pas rien d'initiation sur une secte. Je te montrerai des vraies sectes quand on croisera des fidèles dans Séoul la prochaine fois. Mais en attendant, c'est vrai que c'est trop chelou ces groupes de sasseng. On s'en occupera dès demain matin, car là il est déjà un peu tard. Oui, je dois reprendre le train dans l'autre sens. Les jours de congé sont rares, mais je ne peux pas en prendre un demain, d'autant que je les garde pour les événements de Sir Star. Tu veux qu'on t'accompagne à la gare? Non, c'est gentil, je vous ai déjà assez bien dérangé comme ça. Je vous envoie les liens de ce soir, et on pourra en rediscuter demain. D'accord, merci d'avoir fait le déplacement. J'espère qu'on vous retrouvera vite les affaires de Colin. Je l'adore, mais je refuse d'aller jusqu'à le cambrioler et violer son intimité. Personne ne mérite ça. Claire sourit légèrement et regarde Chaiwan se lever et quitter sa place. La comète quitte le bar et on me regarde dévie sur Xik Choi. Je crois qu'il va nous suivre. Qui va la suivre? Non, on est sorti de première, d'ailleurs il ne bouge même pas. On va devoir se le coltiner sur le chemin du retour. En même temps, on ne fait rien de répréhensible, c'est donc lui qui va perdre son temps, et tant mieux.
Pierre finit par régler notre dîner, puis nous quittons le bar à notre retour. Comme prévu, Sixion nous a suivi tout le long du chemin. Mais nous avons au moins l'avantage de pouvoir parler français sans qu'il ne puisse nous comprendre. Ah ! Tu fais toujours confiance à Taiwan ? Oui, elle a l'air sincère. Je crois qu'elle est vraiment fan de Colin et qu'elle ne veut que son bonheur. Elle semble avoir les pieds sur terre si tu compares à Myung. C'est vrai. J'espère simplement qu'on ne va pas tomber de Charib en Cilia. On pourrait facilement la dénoncer. C'est vrai, pour le moment, on n'a pas trop le choix de toute façon. Si on m'avait dit que je jouerais les détectives en venant ici... Si ça n'était pas aussi sérieux, ça pourrait presque être amusant. On pourrait demander de l'aide à Raon et Sylvia. Parce qu'admettons qu'on arrive à rencontrer des filles responsables. Elles vont nous reconnaître immédiatement. Mais sur les photos du groupe, on se fera griller direct. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Je leur enverrai un message pour leur demander si elles ont un peu de temps libre le matin. Parce qu'ensuite, tu as ton après-midi pris. Me mets un petit coup de coude et je souris avant de jeter un regard soulagé à notre immeuble qui se dessine un peu face à nous. Enfin, l'autre va nous mâcher les basques pour aujourd'hui. Oui, mais tiens, tourne-toi pendant que je tape le code des surveilles qui ne s'approchent pas trop. On ne sait jamais avec ceux de son vengeance. J'oublie et fais volte-face pendant que Claire tape le code. Ici, Choi reste à bonne distance et nous rentrons enfin dans le hall avant de foncer vers l'ascenseur. Quelle journée encore ? Mais je ne vais pas trop traîner parce que je suis vraiment crevée. Ok, repose-toi bien alors. J'espère que tu parviendras à dormir car tu en as besoin. Je vais sans doute cauchemarder de punaises et de cafards, mais je m'en sortirai. Bonne nuit, ma petite Saïwa. Je me glisse dans la salle de bain et puis dans ma chambre et me laisse tomber sur mon lit. J'ai l'impression qu'il suffirait que je ferme les yeux pour m'endormir. Le tintement de mon téléphone m'en retient. Comme chaque soir à présent, je reçois un petit message. Je souris, me redresse sur un coude et tend le bras vers mon smartphone. Coucou Saïwa, tu fais quoi, tu vas bien? Moi ça va super en tout cas. Là, mieux que tout à l'heure car j'ai pu te parler. Je suis sur le point d'aller dormir. Oh, je ne t'ai pas réveillée, j'espère. Non, ne t'en fais pas, ça me fait plaisir que tu m'aies envoyé un message. Cool, ça me fait toujours plaisir de te parler aussi. Je pense à toi, enfin, comme d'habitude, car je pense tout le temps à toi. J'ai trop hâte d'être à demain. Moi aussi, je suis curieuse de découvrir ta surprise. Tu verras, dors bien, Saïwa, et rêve de moi. Je vais essayer, j'espère que l'inverse sera vrai. Toujours. Oh, ils sont trop mimes, ils sont trop mignons. Je repose mon téléphone près de moi avec un sourire et me tourne sur le côté pour fermer les yeux beaucoup plus apaisés. Dimanche. Lorsque j'émerge ce dimanche matin, après une nuit de sommeil réparatrice, je trouve Claire déjà sur le pied de guerre. Un petit déjeuner m'attend même sur la table basse du salon. J'ai envoyé un message à Raon et Vivi. Elles ont toutes les deux dit qu'elles nous retrouveraient au café Sherlock. Ah cool, tu leur as expliqué ou pas? Dans les grandes lignes, mais ce sera plus simple tout à l'heure. Chaowen m'a aussi envoyé des informations complémentaires. J'espère qu'elles pourront nous aider. La seule façon de le savoir, c'est de me demander. Au pire, on essaiera de trouver un plan de rechange. Avec un peu de chance, Raon aura envie de suivre les traces de Sherlock. Peut-être aura-t-elle même glané de bonnes techniques d'enquête dans les bouquins, films ou séries. Bon, dès qu'on a terminé, on y va. Il faudra faire attention en sortant et ne pas tomber sur l'autre chair. Oui, ne t'en fais pas, j'ai prévu de scanner un peu plus les environs avant. C'est chiant de devoir toujours être sur ses gardes comme ça. Malheureusement, c'est un peu ce qui t'attend si un jour on sait que tu es en couple avec une star de K-pop. J'acquiesce, termine mon bol de céréales, puis file me préparer. N'oublie pas non plus que j'ai un rendez-vous cet après-midi et je vais être à mon avantage. Je retrouve finalement Claire dans le petit hall pour mettre mes chaussures et sortir. Et évidemment, il est là. Claire a jeté un coup d'œil très rapide dehors et a aperçu Sikchub en planque devant chez nous. Niveau discrétion, on a fait mieux. Tant mieux, on a pu le griller comme ça. Imagine, sinon, il aurait pu te suivre à ton insu cet après-midi. Pas sûr que ça aurait pu plu à ton cavalier. Bon, on ne doit pas sortir par la porte principale, mais par l'arrière. J'ai repéré une sortie de secours que personne n'utilise en temps normal. Elle est bien cachée, et donc on ne risque pas de croiser cet idiot.
Nous ne perdons pas de temps pour nous, nous éloignons de la porte pour retourner dans l'ascenseur et descendre jusqu'au premier sous-sol. Comme Claire l'avait prévu, pas de traces de ce journaliste indélicat, et nous quittons l'immeuble sans être inquiétés. Nous retrouvons Raon et Sylvia une heure plus tard. J'ai bugué. Elles sont déjà arrivées et discutent entre elles. Je suis contente de voir qu'elles s'entendent très bien toutes les deux. Coucou les filles! Merci d'être venues. Ça avait l'air important. Oui, donc pas de question de vous laisser dans la panade si vous avez besoin d'aide. Je me sens reconnaissante d'avoir trouvé des amis quand même. Alors, expliquez-nous ce qui se passe. Tout de suite. Claire ne traîne pas et expose la situation à Raon et Sylvia, qui écoutent religieusement. Une fois le récit de ma cousine terminé, notre amie italienne lui jette un regard circonspect. Bien, je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, on se disait qu'on pouvait se faire passer pour des fans intéressés par les objets, ou même par une opération visant à récupérer quelque chose chez les garçons. Mais Claire et moi, on ne peut pas y aller directement. Elles nous reconnaîtraient aussitôt. Elles sont au courant de tout et connaissent tout le monde. Oh, alors vous voulez qu'on y aille à votre place? Oui, même si dans un premier temps, on va surtout les travailler en ligne. Il faut qu'on arrive à se faire accepter par elles. Heureusement que l'autre personne est prête à vous présenter à ses filles. Ah, oui, pardon. C'est certain hein, que ce n'est pas dangereux. Je sais que sur le papier, ce ne sont que des fans, mais elles vont loin quand même. Non, leur but, ce n'est pas de faire des vagues, je pense, mais d'opérer dans l'ombre. Ça ressemble presque à une enquête policière. Pas loin. C'est un peu excitant, même s'il y a quand même des enjeux et que ça me fait peur. On va tout faire, en tout cas pour récupérer les affaires de ton frère. Personne ne mérite de subir ça, pas même une personne publique. Comment on procède alors? Shaiwan va nous présenter comme des fans qu'elle a rencontrés lors d'un concert. On pourrait échanger quelques infos sur Colin, histoire de gagner leur confiance. Ensuite, on leur proposera de les rencontrer pour soit leur acheter un truc, soit organiser le prochain cambriolage. Là, c'est nous qui entrons en jeu, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ne vont pas avoir peur en me voyant? Après tout, je suis étrangère. Non, je pense plutôt qu'elles vont se dire que tu as pas mal d'argent et que tu es prête à payer. Je peux aussi dire que Sylvia est une amie hyper fan et qu'elle veut absolument tel ou tel objet. Et qu'elle est même venue en Corée du Sud pour ça. Faudra que vous me fassiez un cours en accéléré sur le groupe de Colin. Parce que je vous rappelle que je n'y connais rien. Oui, ne t'en fais pas. Eh ben d'accord. C'est déjà très gentil de ta part de nous aider et on ne va pas te jeter en pâture au lion sans préparation. Raon et Sylvia ont l'air de prendre leur rôle très au sérieux. On vous tiendra au courant. On pourra faire le point régulièrement ici, par exemple. Ce sera notre QG. Et puis, l'ensemble correspond bien à notre enquête. Ok, par contre, et désolé, c'est encore une info en plus. Ma journaliste a décidé de nous fliquer et si jamais il vous voit avec nous, il risquerait de vous suivre, vous aussi. Désolé, mais comme on connaît les garçons, pas de soucis, on fera attention. Oui, ne vous inquiétez pas pour nous. Je souris encore, soulagée. Nous finissons par discuter d'autres choses, histoire de nous changer les idées. Peu avant midi, Raon et Sylvia annoncent qu'elles vont rentrer, et nous quittons ensemble le café. Nous accompagnons les filles jusqu'au métro, et nous nous retrouvons à nouveau, toutes les deux, Claire et moi. Tiens, Taiwong m'a envoyé un message pendant qu'on était au bar. Saïwa, bientôt! J'ai trop impatient, je n'arrête pas d'embêter Imchan et Colin avec ça. Pas besoin que je te donne l'adresse de l'endroit, au moins. Je t'attends pour 15h. Vivement que ça arrive. Quel enthousiasme de sa part, dis donc. Je l'imagine en train de secouer Colin et Imchan et sur la mode. Arrête, s'il te plaît. Bon, en attendant, on a encore un peu de temps à tuer avant que tu n'ailles retrouver ton prince charmant. On fait quoi? On peut aller visiter un truc, si tu veux. Histoire de te cultiver un peu. Ça me va. C'est le moment de sortir ma liste de la bonne touriste. J'ouvre le bloc-notes de mon téléphone. J'ai noté quelques endroits et j'ai absolument envie de visiter au cours. J'ai absolument envie de visiter au cours de mon année d'échange, histoire de ne rien oublier. On est loin de Hongdae ici? Non, je crois que c'est environ à 20 minutes de métro. Ok, alors dans ce cas, j'ai envie d'aller voir le Trick Eyes Museum. C'est un endroit avec beaucoup d'illusions d'optique. Il paraît que c'est à la fois très amusant et très impressionnant. Ça va pour moi.
Donne-moi l'adresse exacte quand même, histoire qu'on ne doive pas trop chercher. Je m'exécute et nous prenons à notre tour le métro. Comme Claire l'avait prévu, il nous a fallu une grosse vingtaine de minutes pour faire le trajet en métro. Nous avons ensuite vite trouvé le musée. Oh là, je sais pas parler. Une fois à l'intérieur, je peux pas m'empêcher de m'émerveiller. C'est incroyable! C'est vraiment prendre l'expression « les apparences sont parfois trompeuses au pied de la lettre ». C'est trop marrant, on peut même interagir avec les œuvres. Regarde celui-ci, on a l'impression qu'un énorme sushi sort du tableau. Prends-moi en photo pendant que je fais semblant que je le récupère. Je suis sûre que ça fera rire mon père et que ça amusera au moins Yuyu. Je dégaine mon smartphone en souriant et prends en clair en photo. Tandis qu'elle plie les genoux en tendant les bras pour donner l'impression de récupérer le sushi. Ça n'a envie d'irriser des heures. Il y a tellement de photos à faire. Regarde là-bas, on dirait que le type de la peinture veut te transpercer avec une lance. Tu veux laisser parler ton côté de tragédie et drame? C'est le moment. Non, je vais me contenter de regarder. D'accord, on continue la visite. J'ai envie de me prendre en photo avec tout en ce qui me concerne. Nous poursuivons notre visite sans voir le temps passer. Nous nous amusons avec les peintures, les sculptures et c'est presque déçu que je constate que nous avons fait tour du musée. La perspective de mon rendez-vous qui approche me redonne pourtant très vite le sourire. C'était vraiment chouette. Il faudra qu'on revienne parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le musée avec les sculptures de glace. Oui, ni de faire certaines œuvres avec la réalité virtuelle. Heureusement, le musée ne risque pas de bouger. Ça te dit qu'on aille manger un petit truc vite fait? Ensuite, je t'accompagnerai jusqu'à ton point de rendez-vous, puis j'irai retrouver Yuyu. Nous nous dirigeons vers un petit restaurant d'apparence sympathique, et puis prenons un déjeuner léger. Vers 14h15, nous quittons finalement l'endroit. Mon rendez-vous avec Tai Wong approche. Claire est venue avec moi jusqu'à Jiayang, où se retrouve la résidence des garçons, pour s'assurer qu'Inspection n'y était pas. Heureusement, pas de traces de journaliste, et c'est le cœur léger que je m'approche de l'immeuble. Je me demande toujours en quoi consiste la surprise de Tai Wong qui m'a préparée. Passe une bonne journée et fais bien attention à ce qu'aucune Mi-Young ne traîne dans le coin. Promis, passe une bonne après-midi avec tes parents aussi. Claire sourit, me salue puis s'éloigne. De mon côté, je m'approche au point de rendez-vous et le cœur battant et l'impatience nichée au creux du ventre. J'attends un moment sans voir venir personne. Tai Wong est en retard. Je me suis jamais demandé s'il était ponctuel ou pas. D'habitude, oui, mais c'est peut-être grâce à Madame Durban. J'imagine qu'il a plein de choses à faire. C'est déjà une telle chance de pouvoir le voir de façon privée. Une telle chance de sortir avec lui. Il ne faut pas que j'en demande trop non plus, sinon je pourrais bien me retrouver avec rien du tout. Et puis je débarque dans son quotidien d'idole, c'est plutôt moi qui dois m'adapter à son planning qui est chargé. Les minutes continuent à s'engrainer solitaire et je finis même par avoir froid dans le vent de novembre bien tassé. Je vois des jeunes filles passer dans les deux sens de la rue, je me demande si ce sont des comètes. J'ai vérifié mon téléphone que je n'ai pas reçu de message de Tai Wong pour me souvenir d'un contre. J'ai pas vu. D'un contre-ordre. Je me demande si je lui envoie un texto moi-même pour vérifier qu'on... Lorsqu'on me tape de soudain l'épaule par derrière. Je fais volte-face et me retrouve nez à nez avec une casquette et un masque anti-pollution remonté presque jusqu'aux yeux. Coucou Saiwa, il est trop mignon. Ah, câlin. Désolée d'être en retard, mais ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'à toi. Et pourtant, tu m'as tellement manqué que je suis même partie en avance. Je voulais être aussi vite que possible près de toi. Des beaux câlins. J'ai fait un câlin. Il écarte une longue mèche de cheveux rose qui tourne bien également devant son visage malgré son couvre-chef. Heureusement que je t'avais dit d'attendre dans l'angle de la rue car il y a pas mal de journalistes et de fans en bas. C'est sans doute à cause de l'émission d'hier. Je vais aller chez vous? Oui, c'est ça. Il va falloir y retourner là pour l'après-midi que je t'ai promis. Mais comment est-ce qu'on va faire puisque tu as dit qu'il y avait fou le pied de la résidence? Tu veux qu'on essaie quand même de traverser à nos risques et périls? Je ne sais pas si je suffirai comme garde du corps et si la masse est dense. Non, on peut remonter par où je suis descendue, ça prend juste un peu plus de temps. Viens. Tai Wong me saisit le poignet et m'entraîne dans le sens inverse à l'immeuble dans lequel loge Sir Star. Mais dis-moi en quoi consiste ton itinéraire bis? On va passer par l'arrière de l'immeuble, il y a une échelle de secours.
Ah oui, d'accord. J'ouvre de grands yeux incrédule. Votre appartement est au 9e étage. Il n'y a pas de 4e étage à cause de la superposition de... Et le premier étage est en fait le rez-de-chaussée. Donc en fait, il n'y a que cet étage en hauteur techniquement. Mais oui, c'est pour ça que je disais que ça prenait plus de temps. Tu veux dire que tu as descendu 7 étages à l'échelle de secours pour venir me retrouver là maintenant ? C'est dur de se dire comment les choses se sont passées exactement. Dans ce que cela semble. Oui, c'est bien ça. Ça m'a rappelé mon service militaire dans les pompiers avec la grande échelle. Heureusement, je n'ai toujours pas attrapé le vertige. Et toi ? Non, moi non plus, Dieu merci. Mais tu te rends compte, si tu avais chuté, comment est-ce que j'aurais expliqué ça à Manette Durban ? Et à tout le monde, en fait. J'ai laissé l'ange de Sarsar se fracasser le crâne au secours de notre rendez-vous. Je secoue la tête. Il ne faut pas prendre de tels risques pour moi, on aurait pu trouver une autre solution. J'ai le cœur serré soudain à l'idée de Taeyong chutant de plusieurs étages et se disloquant sur les pavés. Les ailes tatouées dans son dos ne peuvent hélas pas se déployer. Ce n'est pas dangereux du tout, Saiwan, ne t'inquiète pas. Il y a des barrières sur les côtés, comme dans une cage vide encadrée d'escaliers. C'est impossible de tomber dans le vide. Peut-être que je ne suis pas celui du groupe qui a le plus les pieds sur terre, mais je ne flotte pas non plus dans les nuages à ce point. Cela dit, j'aurais descendu 17 étages pour te retrouver s'il avait fallu. Bon, on va voir la tête que ça a déjà, puis on avisera. Je suis tout de même toujours estomaquée que Taeyong est prêt à descendre 7 étages et en remonter autant à pied pour mes beaux yeux. Nous finissons par arriver à l'arrière de l'immeuble en contournant le pavé des maisons. Je lève les yeux et les extrémités du bâtiment, et donc de l'échelle métallique se confondent dans les nuages gris dans le ciel. Eh bien, j'imagine qu'il n'y a plus qu'à. On sera en haut avant que tu le réalises. Même sans avoir le vertige, je ne suis pas tout à fait rassurée. Mais déjà, Taeyong met le pied sur les échelons et me résigne à le suivre. Oh là là. Tout le temps de notre progression verticale, je ne le quitte pas du regard. Son aura attire mon attention comme un aimant. Il escalade les marches de métal d'un pas leste, presque inhumain de légèreté et d'assurance. Je sens que mon pas, sur son exemple, devient plus agile également. J'ai soudain l'impression d'avoir des ailes. La sensation me grise alors que je m'élève de mètre en mètre, défiant la gravité. Taeyong est comme un but à atteindre, comme une boussole qui me guide. Le vent de plus en plus fort et de plus en plus froid au fur et à mesure que nous grimpons fouette mon visage comme mes cheveux. C'est mieux qu'une attraction à sensation forte. C'est presque déçu que je vois Taeyong enjamber une rambarde avec une grâce d'acrobate. On arrivait chez nous! Il me tend ensuite une main à sa gauche gravée une brûlure et je n'ose pas trop m'y agripper. C'est lui qui m'attrape solidement le poignet. Avec une force insoupçonnée, sous ses dehors graciles, il me tire sur le balcon. Super, on y est. Il me lance par derrière, pose le menton sur mon épaule. Non, pas encore. Ses mains se nouent autour de ma taille tandis que mon cœur bat à une vitesse folle. C'est l'adrénaline, c'est l'attitude, c'est surtout Taeyong, dont la chaleur chasse la froideur des hivers dans mon dos. L'odeur fruitée de son parfum ou de son jet de douche, je ne sais pas, se mêle au vent et s'éparpille sur la terrasse. La vie prend une autre dimension avec toi. Je me retrouve à faire des choses que je n'aurais même jamais imaginées dans mes rêves les plus fous. Et pourtant avec toi, elles se font si naturellement, en un clin d'œil comme si c'était aussi facile que de respirer. Je ne parle pas que de tout ce qui tourne autour de ton statut d'idole, bien sûr particulier et exceptionnel, mais surtout de toi en tant que personne, comme on vient encore de le voir à l'instant. Ah bon, je n'ai pas tellement l'impression de faire des choses qui sortent de l'ordinaire pourtant. Je me contente juste d'être et de faire quand je le peux. On me dit parfois que je vis dans mon monde, mais je regarde le grand monde et je ne vois pas différent. Peut-être que c'est ma vision qui ne fonctionne pas comme celle des autres.
Ça n'a pas d'importance, mais ce qu'il y en a, c'est que tu sois bien avec moi. Parce que j'aimerais que tu passes autant de temps que possible à mes côtés. Taïwan resserre son étreinte autour de moi et pose sa joue à moitié couverture du tissu de son masque contre la mienne. Je l'aime. Voilà. On rentre et on va commencer à avoir froid sinon. Oui, bonne idée, mes mains gèlent doigt par doigt. Oh non! Il saisit toutes les deux des siennes et qu'il place autour comme des coquilles protectrices. La vie dans le salon où je vais renfermer la fenêtre et augmenter l'ondol. Il m'entraîne à l'intérieur de l'appartement de Sersar que je connais bien maintenant. Sans enlever ma veste, le temps que la pièce se réchauffe, je m'assieds sur l'un des canapés blancs. Taiwong allume le grand écran de la télévision, un programme de variété quelconque s'anime sans son. J'ai déménagé mes cactus qui étaient sur la terrasse, sur la table basse avant de partir pour qu'ils ne meurent pas frigorifiés. Comme j'avais laissé les fenêtres ouvertes pour pouvoir remonter. Ils se sont bien remis depuis le cambriolage ? Oui, tous, heureusement. Bon, je vais tout installer. Tu veux de l'aide ? Non, laisse-toi faire. Avec curiosité, je regarde ensuite Taiwong vaquer dans l'appartement de son pas dansant. Entre les pots de cactus sur la table basse, il dépose d'abord des assiettes avec des petits gâteaux fleuris. Des Wadion. Ça commence avec des fleurs d'hiver comme les chrysanthèmes. I don't know. Ah là là. J'ai envie de lui faire des gros câlins là, en fait, c'est tout. Il apporte aussi des verres et des tasses. Tu pioches dans ce que tu veux à manger et à boire. J'ai prévu plein de choses différentes, comme je ne savais pas ce que tu aimes. Comme je ne veux pas sortir faire les courses moi-même, j'ai fait une liste variée à Manhattan Urban. Il a fait les courses ce matin. Puis au fil de ses allées et venues, c'est tout un nécessaire de coiffure professionnelle. Ah oui! C'est vrai qu'il voulait nous coiffer! Oui! Moi j'ai les cheveux courts donc tu vas avoir du mal, mais c'est pas grave. De coiffure professionnelle qui s'entasse bientôt sous mes yeux. Tu comptes? Taïwong me sourit d'un sourire qui aurait désintégré sur le champ l'iceberg qui a coulé le Titanic. Ça fait un moment que je t'ai dit que j'avais de coiffer et je compte bien le faire aujourd'hui. Ça t'est dit, Taïwong? Avec simplicité, il s'assied en tailleur à côté de moi. Pendant que tu grignotes quelque chose, je vais commencer par mettre quelques bigoudis chauffantes sur ses cheveux secs. Je voudrais avoir des boucles. Il joint les gestes à la parole et je l'observe fasciné. Ses gestes sont précis et doux, alors qu'il applique un sérum protecteur et lisse ses cheveux. Ultra soyeux. Puis il les enroule autour des bigoudis avec une grande application. On dirait parfois un peu brouillon papillonné d'une chose à l'autre dans son univers déconnecté de tout. Mais il fait montre ici d'un soin du détail et d'une concentration extrême, limitée, presque maniaque. Quel contraste avec la façon désordonnée dont il a déposé tout par terre sur les divans, sans parler de sa veste et de ses chaussures. Et j'ai de plus l'impression d'avoir plongé au cœur de son intimité. Je suis là où lui est d'habitude seul. Et je sais que personne ne vit la même chose que moi. Voilà, j'en ai 15 minutes avant mes boucles. J'ai mal lu, c'est pas grave. En ramassant son smartphone sur la table, il me sourit, la tête entourée d'une dizaine de rouleaux. Il est adorable et si craquant. Hihi. J'ai envie de lui faire plein de câlins. Il pose un doigt sur sa joue. À toi maintenant, mademoiselle Saïwa. Tandis qu'il se remet debout comme s'il ne pesait rien, j'attrape son bras. Il n'a plus rien du tout de l'incident. Même s'il y a encore une trace, mais ça va. Il soulève la large manche de sa tunique et dévoile la face interne de son avant-bras pâle. Sa peau est colorée comme une brûlure. On voit qu'elle a été presque poncée par endroits. Je me mords la lèvre. Peu enclin à se lamenter sur son sort, Taiwong s'installe sur le canapé juste derrière moi. Maintenant, on s'occupe plus que de toi. Sa main passe dans mes cheveux de la racine aux pointes. Une fois, deux fois, lentement sur tout le tour de mon crâne.
Elle est sous les roncées dans ma nuque. La petite sensation de froid est très vite remplacée par celle tiède de ses lèvres. Je vais pleurer. Allez, salut. Non, j'en ai marre vraiment, ça. Ah, je vais décéder. Sa bouche glisse dans mon cou, laissant comme un collier de baisers qui s'enroule de mes vertèbres à ma gorge. C'est tendre, mais également sensuel. Ce dernier côté est augmenté par la lenteur avec laquelle Taewoong bouge ses lèvres. Il prend son temps pour embrasser ma peau hypersensible sous la douceur de sa bouche. Sa main libre remonte le long de ma gorge, sous mon menton, avec une douceur infinie. Un dernier baiser plus appuyé à la naissance de ma clavicule et mes cheveux reprennent leur place initiale dans ma nuque. Dis-moi comment tu veux que je te coiffe. Je peux tout faire. Je te laisse choisir quelque chose qui, à ton avis, me mettrait en valeur, m'irait bien. D'accord, je vois, laisse-moi faire. Je ne demande rien d'autre, je me redonne aujourd'hui à ses doigts d'expert. Ceci armé de divers ustensiles s'active autour de mon crâne avec douceur pendant que Taewoong chantonne. Ça fait un bien fou, j'ai l'impression de combiner une séance de sophrologie à une séance de mise en beauté. Toute la tension que je ressentais hier me quitte à la manière d'un fruit dont on fait de la pelure. Au bout d'un moment, cela dit, les gestes de mon compagnon se font plus lents. Je tourne les yeux vers lui, puis par-dessus mon épaule, je remarque qu'il n'a plus de bigoudi, mais de magnifiques boucles. Ah ! Ses cheveux rose pâle cascadent vers ses épaules et ça n'a fait qu'augmenter son côté unique et précieux. C'est ravissant. Toi, tu es ravissante. Savez-moi, ouais, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Mais fais-le ! J'ai envie de te faire des câlins depuis tout à l'heure. De t'avoir contre moi et de te serrer. Je peux ? C'est quoi le « Bien sûr, fais-moi tout le câlin que tu veux !» Taewoong m'enlace par derrière et me ramène contre son torse. J'ai l'impression que son cœur bat contre mon dos, qu'il essaie désespérément de rejoindre le mien de l'autre côté de mon omoplate. Je vais économiser pour t'emmener faire quelque chose de spécial, tu sais. Je donne tout ce que je reçois à ma famille pour mon frère et ma sœur, et comme je gagne presque rien, je vais économiser une partie pour toi car j'ai envie de te faire un beau cadeau et te mener à un bel endroit. Tu le mérites, j'ai très envie de te montrer à quel point tu es spécial pour moi, Saïwa. Sa voix effleure ma gorge comme son souffle. Ses cheveux lustrés caressent mon oreille. Malgré tout, je tique sur une partie d'une de ses phrases. Comment ça, tu ne gagnes presque rien? Une star? Oui, mais avec le groupe, pour l'instant, on repaye notre dette à OP Entertainment. On n'a pas encore terminé. En fait, on ne gagne pas d'argent. Non! Mais c'est... Du coup, justement, par rapport à Dini, vous rappelez le chapitre 16 où on devait choisir la robe. Et en fait, comme je vous ai dit, je suis des let's play. Et maintenant, je suis totalement en avance parce que moi, je fais un chapitre en entier. Et du coup, en fait, la robe bleue que j'aimais bien, c'est pour Gia. Je sais qu'il faut pas que je prenne celle-là. Annelle, j'avais raison, du coup c'était la rouge, mais je ne sais pas laquelle est pour Ginny. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que j'ai pas envie de me tromper. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!